déjà la mise en place de la plateforme Mon Compte Élu, outil... Et l'État renouvelé, merci Catherine Vautrin. Vous avez la parole, monsieur le maire de Cahors. Oui, bonjour, je m'en vais ce soir. Maire de Cahors, président de la MF 46 et de la MF Occitanie. Pour pouvoir agir, il faut aussi pouvoir se former. Et c'est pour cela que je souhaitais vous interpeller sur les nombreuses difficultés auxquelles sont confrontés les élus qui souhaitent mobiliser leurs droits individuels à la formation. Et avec les rocambolesques et parfois infranchissables étapes de création de l'identité numérique La Poste, il ne s'agit plus d'un frein mais d'un véritable coup d'arrêt qui est porté à notre droit individuel à la formation. C'est bon. Alors, à l'heure actuelle, en fait... Ah, écoutez, le rôle de la gendarmerie avec les élus est essentiel, c'est un contact permanent. La gendarmerie a besoin des élus, les élus ont besoin de la gendarmerie, et c'est au travers de contacts qui sont démultipliés alors, de différentes manières. Le téléphone, le contact sur le terrain... Et vous avez aussi maintenant un nouveau moyen de rentrer en contact avec, enfin que l'élu donnait aux élus pour rentrer en contact avec le gendarme, c'est avec une nouvelle application mobile qui s'appelle Gens d'élu, qui est disponible sur les différents stores. Chacun, la gendarmerie et la police nationale ont des territoires définis, la gendarmerie couvre 95% du territoire, ce sont plutôt les grands axes de communication, les grosses zones périurbaines et surtout les zones rurales que nous occupons donc sur le territoire métropolitain, mais également au sein des Outre-mer. Oui, alors pour rendre un peu plus simple la distinction entre la gendarmerie mobile et la gendarmerie départementale, ce qu'il faut comprendre, c'est que nos gendarmes mobiles sont ceux qui sont dédiés au maintien de l'ordre. Lorsqu'il y a des manifestations, eh bien c'est ces gendarmes qu'on retrouve pour maintenir et contenir les foules et voire rétablir l'ordre quand il est nécessaire. Les gendarmes départementaux, ce sont ceux qu'on retrouve sur le territoire, qui viennent, qui font en fait tout simplement de la police secours et qui viennent au contact de la population. Chaque brigade territoriale a une petite parcelle de son territoire qu'elle va occuper et qu'elle va sécuriser, protéger. Notre mission, nos deux missions, évidemment pour les gendarmes, à la fois gendarmes mobiles mais aussi gendarmes départementaux, c'est bien de protéger les personnes et protéger les biens. Voilà la différence qu'on peut faire entre le gendarme départemental et le gendarme mobile. Bonjour, écoutez, le rôle de la police nationale, c'est d'accompagner les maires dans la gestion de la sécurité de leur commune à travers des partenariats, à travers un continuum de sécurité, à travers une communication qui est engagée au quotidien. Et ici, nous présentons le site moncommissariat.fr et masécurité.fr pour permettre aux citoyens de l'ensemble des communes de France de venir sur Internet et de trouver la meilleure orientation à leurs problèmes de sécurité du quotidien en venant sur le site et en se laissant guider par l'orientation selon qu'ils sont victimes, qu'ils souhaitent signaler des faits ou simplement s'informer. C'est également la mise à disposition des élus comme des citoyens d'un chat qui permet d'échanger avec un policier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et d'être pris en compte via cette messagerie instantanée en moins de 2 minutes. La police nationale est également présente auprès des maires de France en leur proposant des formations. Et là, je passerai la parole à ma collègue sur les formations qui sont proposées aux élus pour gérer les situations conflictuelles. Alors, la police nationale intervient d'une manière générale dans les villes, dans les zones urbaines qui sont dédiées à compétence police. Les zones périurbaines et rurales sont effectivement plutôt de la compétence de la gendarmerie. Il y a aujourd'hui en France 1574 communes qui sont de compétence police nationale. Donc sur moncommissariat.fr, on trouve également les actualités pratiques au service des citoyens et des élus.
Typiquement, à partir de ce week-end, démarre une opération menée par le ministère de l'Intérieur qui permet sur l'ensemble du territoire d'avoir un point par département pour que les citoyens qui possèdent des armes qu'ils auraient héritées ou qu'ils auraient trouvées et qui ne sont pas déclarées, de venir les apporter dans un commissariat, une brigade de gendarmerie, une sous-préfecture, selon une liste bien précise, pour pouvoir soit les remettre à l'État, elles seront probablement détruites, ou données à des musées, ce sont des armes de collection, comme vous l'indiquiez, ou alors ils seront accompagnés pour qu'ils puissent les enregistrer sur le service dédié, le SIA. Donc c'est une opération qui commence ce week-end. Toutes les adresses de tous les départements sont accessibles depuis le site internet et ce sont des armodromes. C'est le nom qui a été donné à cette opération qui démarre ce week-end. Alors, il faut savoir qu'aujourd'hui, la loi impose de déclarer toutes les armes sur le système SIA et c'est justement pour permettre à toutes les personnes qui ont des armes non déclarées aujourd'hui de régulariser leur situation sans craindre des poursuites, sans craindre d'être inquiétées. Et en général, il n'y a pas de difficultés sur ces thématiques-là. Alors, il y a toujours des réfractaires dans tous les domaines. L'idée, encore une fois, c'est de permettre à tous ceux qui ont des armes, qui ne savent pas quoi en faire, qui n'osent pas, qui n'ont pas de solution, pour pouvoir les remettre à l'État pour qu'elles soient détruites ou pour qu'elles soient données à des musées. Ce qu'il faut bien comprendre aussi, c'est que derrière, en cas de cambriolage, si on a des armes, c'est soi qui ne sont pas déclarées dans le fichier, à terme, on s'expose à des sanctions. Et ça s'appelle éventuellement une prévention contre une guerre civile, si on veut. Alors là, là, on est un petit peu complètement hors sujet. Je pose la question. Alors ça, ce sont des propos qui n'engagent que vous. On n'est pas du tout dans un contexte. On n'est pas du tout dans un contexte. On n'est pas du tout dans un contexte comme celui-ci. On est dans un contexte législatif où les armes doivent être déclarées aujourd'hui, et on donne la possibilité à ceux qui en détiennent, par des histoires de famille, d'héritage ou autre, de pouvoir régulariser leur situation. Concernant la formation des élus, effectivement, au niveau de la police nationale, nous avions constaté une augmentation des agressions concernant les élus. Et donc nous avons travaillé avec le RAID et l'École nationale supérieure de police pour concevoir une formation d'une demi-journée à destination des élus sur la communication envers leurs administrés dans des situations un peu de tension, sur des méthodes de communication simples, de positionnement, de communication non verbale et d'écoute active pour permettre effectivement une désescalade, ce qu'on appelle une désescalade des conflits, à savoir effectivement ventiler la discussion et qu'on puisse arriver à une communication fluide et puis voir que chacun puisse exposer ses problèmes et ses difficultés pour pouvoir faire retomber la tension. Qui ose agresser des élus de lieu des maires ? N'importe qui, leurs administrés, ça peut être effectivement, ils sont régulièrement soit apostrophés sur la voie publique quand ils sont soit à titre privé, soit effectivement dans le cadre de leur fonction, mais également au sein de leur bureau quand ils reçoivent des administrés. Alors pour les rodéos, effectivement, alors soit c'est signalé directement depuis les appels 17, et là on peut en revenir effectivement à la plateforme présentée par Madame Meunier, puisqu'il y a depuis l'application moncommissariat.fr la possibilité de signaler les rodéos ou n'importe quel le fait directement depuis l'application. Et voilà, nous présentons ici sur le stand du ministère de l'Intérieur le service central des armes explosives. Qui est un service en France qui dépend directement du secrétariat général du ministère de l'Intérieur et dont le rôle est la classification et l'enregistrement des armes. J'entends, il faut entendre par là, des armes civiles, hein, on ne parle pas des obus, des canons, des mitrailleuses, des armes détenues en fait par les citoyens français. Que ce soit des armes de guerre, des armes de chasse. Alors, armes de guerre, aujourd'hui, ça ne veut plus rien dire. Le terme d'armes de guerre, c'est un concept qui n'existe plus au regard de la loi. Il a existé jusqu'en 2013. Il a été depuis abandonné par un certain nombre, du fait de la modification d'un certain nombre de textes réglementaires. Aujourd'hui, il y a une arme de guerre, en fait, pour nous, ça ne veut rien dire. Il y a des armes qui sont classées dans différentes catégories. La France s'est calée sur la réglementation européenne en la matière. Il y a donc quatre catégories d'armes en France. Comme en Europe, d'ailleurs. Encore une fois, on s'est calé sur l'Europe. Il y a la catégorie A, qui sont des armes, elles, justement, des armes de guerre, des armes militaires, qui sont totalement interdites, qui sont inaccessibles aux civils. La catégorie B, ce sont des armes qui sont soumises à autorisation,
C'est-à-dire que pour les détenir, il faut en faire la demande préalable auprès de l'administration, en fait la préfecture dont vous dépendez. La catégorie C, ce sont les armes en vente libre, que vous pouvez détenir à condition d'être chasseur ou tireur, et qui sont simplement enregistrées. C'est un simple processus d'enregistrement de l'arme, simplement pour pouvoir la tracer. Et la quatrième catégorie, c'est la catégorie D, qui sont des armes historiques et de collection, qui elles sont totalement libres. Ce sont des vieux fusils qui datent depuis d'avant 1900. La date retenue, c'est 1900. Toutes les armes qui sont à quelques rares exceptions près, toutes les armes qui sont antérieures à 1900 sont aujourd'hui considérées comme des reliques historiques, font partie du patrimoine, et donc ce sont des armes qui sont en vente libre. Qu'est-ce qui se passe si des gens détiennent des armes style AK-47, fusil Colt M16? Alors ça, ce sont carrément des armes de guerre. Là, ils sont passibles effectivement des foudres de la loi, puisqu'ils détiennent sans titre des armes doublement sans titre, puisque de toute façon, il ne peut exister pour un civil, pour un particulier, d'autorisation pour détenir ce genre d'armes. Donc effectivement, ils encourent de lourdes peines de prison.